Donc, on bascule maintenant sur un autre aspect de la gynécologie, c'est les infections génitales hôtes. Donc, le temps que le reste des étudiants se réunissent, donc je vous fais un petit rappel. Donc, avant, il y avait le cours sur les salpingites aiguës, l'endométrite aiguë, les abcès pelviens, la pelvipéritonite. Chaque cours ou bien chaque item était étudié séparément. Mais après, ils ont déduit, ou là, ils ont constaté que c'était la même anatomie, la même muqueuse, les mêmes germes en cause, la même symptomatologie, le même procédé pour faire le diagnostic, les mêmes examens complémentaires, le même traitement, les mêmes séquelles, etc., etc., etc. Donc, on a regroupé tous ces items-là sous le titre d'infection génitale hôte. Donc, voilà, on va commencer. C'est quoi une infection génitale? Les infections génitales hôtes regroupent les différentes formes des infections utéro-annexielles. Donc, tout ce qu'on va décrire par la suite, donc, c'est une infection génitale hôte. Voilà la sphère rouge. Elle délimite la région anatomique concernée par les infections génitales hôtes. Tout ce qui est en bas, c'est les infections génitales basses, donc col, vagin, vulve, périnée, etc. Voilà. On a deux types d'infections génitales hôtes. On a les infections génitales hôtes non compliquées, c'est les endométrites aiguës et les salpingites aiguës. Deuxièmement, on a les infections génitales hôtes compliquées. Donc, les collections purulentes pelviennes, la pyométrie, on va définir chacune des collections, le pyosalpinx, les abcès tubo-ovariens, les abcès du Douglas et les pelvipéritonites. Donc, toutes ces pathologies, c'est des infections génitales hôtes. Je répète, non compliquées, endométrite, salpingite, compliquées, soit sous forme de collection, pyométrie, pyosalpinx, abcès tubo-ovarien, abcès du Douglas, ou bien les pelvipéritonites, deux points de départ génital. Il faut savoir que les endocervicites ont été exclus de la définition parce qu'avant, ça faisait partie des infections génitales hôtes. Ces infections peuvent être graves et source de séquelles. Maintenant, on va définir chaque infection. C'est quoi une salpingite aiguë? Une salpingite aiguë, c'est une infection aiguë d'une ou bien des deux trompes. Mais en général, c'est les deux trompes parce que c'est le même germe, le même trajet, les mêmes muqueuses. Voilà ce que c'est une salpingite aiguë. Une endométrite, c'est l'infection de la muqueuse utérine et d'éventuels tissus trophoblastiques résiduels en postpartum ou bien en postabortum. Donc, infection de l'endomètre ou bien de tissus trophoblastiques qui ont resté après un accouchement ou bien un avortement. La pyométrie, c'est une collection abcédée de la cavité utérine. Donc, après une endométrite, on peut avoir une pyométrie. Donc, abcès au niveau de l'utérus. Le pyosalpinx, c'est une collection purulente intratubaire pouvant donc survenir de nouveau ou bien par surinfection d'un hydrosalpinx. Ça veut dire quoi? Ça veut dire soit un pyosalpinx primitif de nouveau, c'est-à-dire juste après une salpingite. Donc, salpingite aiguë, suppuration, pyosalpinx. Le pyosalpinx secondaire, il se fait selon la chronologie suivante. Donc, on a une infection génitale au type salpingite, donc réaction inflammatoire, collection de liquide à l'intérieur de la trompe, après cicatrisation, obstruction partielle, donc des deux ostéomes ou bien totale. Ça reste quand même une muqueuse fonctionnelle, donc ça va sécréter du mucus dans cette zone emprisonnée entre les deux adhérences endoluminales. Et donc, ça va se collecter et donc, ça va nous donner un hydrosalpinx. Cet hydrosalpinx, il peut, comme toute collection liquidienne, se surinfecter. Il va nous donner un pyosalpinx secondaire. Donc, voilà l'explication. Après, l'abcès tubo-ovarien, c'est une collection purulente entre des adhérences dans l'espace entre la trompe et l'ovaire. C'est-à-dire, voilà l'ovaire, voilà la trompe, voilà les fausses membranes entre lesquelles il y a du pus.
Donc, abcès tubo-ovarien, c'est toute l'annexe qui est concernée, trompe et ovaire. L'abcès du Douglas, c'est une connexion abcédée au niveau du cul de sac de Douglas. C'est simple. C'est-à-dire, il y a du pus, mais qui est encapsulé. La pelvipéritonite, par contre, c'est une atteinte diffuse du pelvis avec un épanchement purulent. Donc, voilà, il y a du pus dans tout le pelvis. C'est ça, la pelvipéritonite. Elle peut être d'origine digestive, urinaire, mais ce qu'on va décrire, c'est les origines génitales, c'est-à-dire utérus ou bien les trompes. Voilà les définitions. La physiopathologie, c'est important. Donc, le primum movens, c'est un agent pathogène qui va coloniser notre muqueuse de l'utérus, de la trompe ou du pelvis. La contamination, elle se fait par voie ascendante du tractus génital, c'est-à-dire venant du vagin vers le col et puis vers l'endomètre et la trompe, puis le pelvis. Soit des germes sexuellement transmis dans 85% des cas. Donc, soit on a un chlamydia trachomatis dans la majorité des cas, soit un gonocoque, donc Neisseria gonorrhée, soit un mycoplasme génitalium. Donc, ce sont des trois germes spécifiques secondaires, donc à des rapports non protégés avec un partenaire infecté. Deuxième groupe de germes, dans 15% des cas, ce sont des germes pathogènes opportunistes. Qu'est-ce que ça veut dire opportuniste? Ça provient d'opportunité, c'est-à-dire que ce sont des germes commensales, ça profite, qui vivent dans le tractus génital avec la flore vaginale et qui vont attendre qu'il y ait donc une immunodépression, une lésion, un microtraumatisme, etc., pour coloniser la muqueuse et donner une infection. On parle ici d'entérobactéries, Escherichia coli dans 30% des cas, le Proteus, la Klebsiella, etc. Ou bien des coccis, qui sont des germes pathogènes stricts, le streptocoque, le staphylocoque doré, et les anaérobies. Donc ça, c'est l'agent pathogène responsable de la contamination par voie ascendante. La muqueuse concernée, on a dit que c'est l'endomètre, la trompe et le pelvis. Quels sont les facteurs de risque? L'âge moins de 25 ans, ce sont des statistiques, c'est-à-dire occidentales, chez eux, plus la femme est jeune, plus elle a des aventures, elle a des partenaires multiples, elle a une vie sexuelle très active. Les antécédents d'IST ou bien d'infection génitale haute, plus donc on a un antécédent d'IST, plus le risque il augmente. Si on a antécédent de deux IST à deux germes différents, le risque va être plus important et vice-versa. Épisode récent d'urétrite chez le partenaire, donc soit un partenaire ancien, soit un nouveau partenaire avec une urétrite, donc une gonococcie entre parenthèses. Notion de partenaire multiple, plus de deux partenaires par année, ça devient une femme à risque. Changement récent de partenaire, donc elle était bien. Elle vient d'avoir un nouvel conjoint, nouveau conjoint, et elle a des signes cliniques. Précocité des premiers rapports sexuels. Mode de contraception type dispositif intra-utérin qui constitue un pont entre une zone aseptique qui est le vagin, une zone septique qui est le vagin, une zone aseptique qui est la cavité utérine et les trompes. Notion de geste endo-utérin récent. La pose d'un DIU, une hystérosalpingographie, une hystéroscopie. Donc, lorsqu'on fait un geste comme ça dans des conditions d'asepsie qui sont médiocres, on peut nous-mêmes ramener un germe ou bien faire monter par voie ascendante un germe opportuniste vers la cavité utérine stérile, voire vers les trompes. Une période de postpartum ou du postabortum, c'est une période quand même qui reste à risque d'infection génitale haute, surtout les endométries du postpartum et les endométries du postabortum, soit sur muqueuse pathologique ou bien sur débris trophoblastiques ou placentaires restants. Voilà les facteurs de risque. Comment on fait le diagnostic? Le diagnostic, il faut savoir, des infections génitales hautes, il est souvent difficile. Plus de 70% des IGH sont asymptomatiques. Et c'est ça qui fait la difficulté et la gravité des choses. Parce que le plus souvent,
On découvre ça a posteriori dans l'exploration, au cours de l'exploration d'une complication. On a une complication, on fait l'interrogatoire, on pousse très bien nos questions et on tombe sur un épisode d'infection génitale haute. Symptomatologie, elle est peu spécifique. Absence de signes pathognomoniques, ces signes fonctionnels, bien sûr, pathognomoniques. Cliniquement, la triade classique, fièvre, douleur pelvienne, leucorrhée. Apprenez ça, il y a une triade. Lorsqu'on a l'association fièvre, douleur pelvienne aiguë, d'une des deux fosses ciliaques, voire de l'hypogastre, plus leucorrhée purulente ou non, donc c'est une infection génitale haute jusqu'à preuve du contraire. On va décortiquer chaque élément. La fièvre, elle est le plus souvent supérieure à 38, associée à des frissons dans 40% des cas. Donc, elle n'est pas constante, la fièvre. Elle présente dans moins de la moitié des malades. La douleur pelvienne aiguë, elle est quasi constante dans 80-90% des cas. Elle a des caractéristiques sémiologiques bien précises. Elle est insidieuse, c'est-à-dire elle est subaiguë. Elle n'est pas aiguë. Dji ou taroh, urdu taqwam, taroh, etc. Elle est sourde, n'est pas vraiment intense, elle est continue, elle est unie ou bilatérale, donc une des deux fosses ciliaques ou bien les deux fosses ciliaques, de début progressive depuis au moins 4 jours, elle est aggravée en fin de journée, elle est aggravée après des rapports sexuels ou des efforts. Donc vous voyez que ce sont des douleurs un peu particulières. Les leucorrhées, elles peuvent être purulentes ou muco-purulentes et elles sont présentes dans 75% des cas. Donc voilà notre triade. En plus de ces signes majeurs, il y a des signes mineurs. Donc il y a les métrorragies dans 4% des cas. Pourquoi on a des métrorragies? Donc on a un germe qui va coloniser, il va entraîner une inflammation. L'inflammation, c'est rougeur, douleur, œdème, chaleur. Donc, la chaleur, c'est la fièvre. La rougeur, c'est l'hyperémie ou bien la congestion des vaisseaux. Et après des petites contractions de l'utérus, ça peut se desquamer et ça peut entraîner un suintement hémorragique. Des signes urinaires associés, donc par extension loco-régionale, des brûlures mictionnelles, une dysurie, une polacurie qui sont retrouvées dans 15 à 30% des cas. Un syndrome rectal, donc des faux besoins, tenesme, épreinte, etc., par extension de l'inflammation, donc loco-régionale. Des douleurs de l'hypocondre droit dans 10 à 20, à 25% des cas, c'est dans le cas de chlamydiose pelvienne. Donc, lorsqu'on a un chlamydia, il va entraîner donc une infection d'une des deux trompes, un syndrome adhérentiel pelvien, plus un syndrome adhérentiel périhépatique. Donc, on va voir ça, c'est le syndrome de Vitiuc-Curtis. On va voir ça par la suite. Et je vais vous montrer une image qui montre les adhérences périhépatiques. Les dyspareunies, donc des douleurs au moment des rapports, en rapport avec une inflammation de la muqueuse utérine et annexielle. Et après donc les rapports, on peut avoir des dyspareunies persistantes. C'est-à-dire des douleurs au moment des rapports et plusieurs heures après. L'examen clinique, la palpation, on a une sensibilité, voire une douleur profonde, voire une défense d'une des deux fosses ciliaques, voire de tout le pelvis. L'examen au spéculum, on a un aspect de cervicite parce que le plus souvent, c'est un germe ascendant. Donc, on ne peut pas avoir une vaginite et une endométrite sans qu'il y ait une cervicite. Le col, quand même, c'est le point d'entrée, donc il doit être infecté. Une glaire cervicale qui est louche, plus ou moins mêlée avec du sang. Le toucher vaginal, on a une douleur à la mobilisation utérine ou bien à la palpation annexielle unie ou bilatérale. C'est un critère majeur. Apprenez ça, c'est un critère majeur. Si on a ce critère, donc on peut donc dire que c'est une infection génitale haute à 90% des cas. Douleur à la mobilisation utérine, je vous rappelle ça, on a fait ça, l'examen clinique, donc on prend le col entre les deux doigts, donc entre l'index et le majeur, et on fait des mouvements de translation ou bien des mouvements antéro-postérieurs. Comme l'utérus, plus ou moins les annexes sont inflammées, infectées, donc on aura une douleur. Et lorsqu'on fait notre toucher vaginal d'un des deux cul-de-sac,
on aura une douleur, parfois un cri de la patiente. Donc, deux critères majeurs. Comblement ou empattement d'un des culs de sac vaginaux, surtout lorsqu'on a du pus dans les culs de sac. Sur le plan paraclinique, donc examen biologique non spécifique, on a un syndrome inflammatoire et donc on aura des globules blancs qui sont rarement augmentés, mais surtout dans les IgH compliqués, lorsqu'on a des abcès, lorsqu'on a du pus dans le pelvis, on aura des globules blancs, c'est-à-dire une hyperleucocytose. Mais lorsqu'on a une salpingite simple ou bien une endométrite simple, on peut avoir des globules blancs normaux. La CRP, elle est inconstamment élevée au début de l'infection. Les sérologies donc, peuvent être positives parce que si on a un partenaire infecté, il peut transmettre plusieurs IST en même temps, donc hépatite, sida, syphilis, etc. L'échographie. Il faut savoir que les signes échographiques sont vraiment peu spécifiques. Lorsqu'on a un bon appareil performant et un bon médecin échographiste, il peut déceler un léger épaississement pariétal tubaire plus de 5 mm, c'est-à-dire on doit rechercher la trompe, ce qui est en lui-même difficile, et on doit mesurer l'épaisseur de sa paroi. Si cette épaisseur excède les 5 mm, on parle donc d'une suspicion de salpingite. Ou bien au niveau du pavillon, donc de l'extrémité distale de la trompe, si on a des franges inflammées, ils peuvent s'obstruer. Donc l'ostéum tubaire distal, il peut s'obstruer, se remplir de liquide, et ça va nous donner un signe qu'on appelle le signe de la roue dentée. Roue dentée. Donc ça, c'est les franges. Donc ça, c'est une coupe donc, au niveau d'une trompe remplie de liquide. Ça, les dents, c'est les franges et ça, c'est le mucus secondaire à l'inflammation. Voilà. Ou bien une masse hétérogène latéro-utérine. Donc, lorsqu'on a une collection hydrique ou bien purulente au niveau de la trompe, donc vous voyez ici, les franges sont agglutinées. Les franges sont agglutinées. Normalement, on a des franges comme ça. Les franges, chaque frange, elle est libre pour délimiter l'ostéum. Lorsque les franges sont agglutinées comme ça, donc on aura une collection du liquide ici. Et à l'échographie, ça va nous donner un aspect comme ça de boudin, donc avec des échos incomplètes, donc de fines cloisons qui sont incomplètes, qui sont présentes de façon physiologique à l'intérieur de la trompe. Voilà, ce sont les signes positifs. Ça, c'est les signes positifs. Maintenant, ça peut nous donner des signes négatif d'autres pathologies pour faire le diagnostic différentiel. C'est-à-dire pas de GU, pas d'appendicite, pas d'endométriose, pas de kyste ovarien compliqué par torsion, rupture ou hémorragie, pas d'infection urinaire, etc. C'est-à-dire pas de cystite, etc. Voilà un signe important. Lorsqu'on veut chercher une douleur provoquée, on peut utiliser la sonde endovaginale avec laquelle on va pousser l'utérus. On va l'emprisonner entre cette sonde endovaginale et la main et on fait un palpé profond. Lorsqu'il y a une infection, ça va être très, très douloureux. C'est comme si on a un doigt coupé. Lorsque vous allez avoir une coupure au niveau du doigt et lorsque vous faites une pression, ça va faire mal. C'est la même chose. Après les autres examens poussés d'imagerie, donc elles sont indiquées en cas de difficulté diagnostique, des examens donc IRM-TDM avec injection de produits de contraste, elles sont utiles au diagnostic différentiel de l'origine urinaire, digestive ou gynécologique. Donc voilà une collection. Voilà une collection pelvienne. Donc, voilà la vessie, voilà l'utérus, une coupe de l'utérus, et voilà l'annexe, donc avec une cloison à l'intérieur. Voilà l'ovaire. Donc, entre l'utérus et l'ovaire, il y a une collection. Donc, vous voyez ici, on hypersignale, on hyposignale T1.
Maintenant, on passe à la celluloscopie diagnostique. Si, malgré un bon examen clinique, une bonne échographie, plus ou moins IRM-TDM, on n'arrive pas à trancher, on peut passer à une celluloscopie diagnostique. Elle constitue l'examen de référence en cas de doute diagnostique persistant après l'imagerie. Quand est-ce qu'on doit la faire? On doit la faire d'emblée si on a des doutes chez une jeune femme désireuse de grossesse. Parce que plus on va retarder un diagnostic, plus on va retarder le traitement et donc plus il y aura des séquelles et surtout l'infertilité. Après 48 à 72 heures d'antibiothérapie, donc absence de réponse au traitement, ça, normalement le T au fond de ça. Donc, après 2 jours ou 3 jours d'antibiothérapie et pas de réponse au traitement, il y a toujours de la fièvre, il y a toujours de la douleur. On doit explorer parce qu'on peut passer à côté d'un abcès pelvien et qui ne va pas répondre à l'antibiotique. Donc, le seul traitement, c'est le drainage chirurgical. Ou bien si on est devant une forme compliquée, c'est-à-dire en diagnostic, à l'échographie, une collection pelvienne, là, on doit faire notre celluloscopie à but diagnostique, thérapeutique et pronostique. Quels sont les critères du diagnostic celluloscopique? C'est-à-dire, on a une indication de celluloscopie, on a fait une celluloscopie, comment on va dire que oui, c'est une infection génitale haute? Soit des trompes œdémaciées, donc congestionnées, avec présence d'exsuda fimbriale, c'est-à-dire fimbriale, c'est-à-dire à partir de la issue à partir des franges d'un exsuda inflammatoire, du liquide, un suintement. On parle d'une trompe qui pleure. Les ovaires, elles sont recouvertes de fausses membranes ou bien enfouies sous plusieurs adhérences. Au niveau de la cavité péritonéale, il y a des fausses membranes et des adhérences avec les organes de voisinage, c'est-à-dire il y a le côlon qui est collé à la paroi, les trompes qui sont collées au rectum, l'utérus qui est collé à la paroi antérieure ou bien à la vessie, etc. Ou bien l'objectivation directe de suppuration profonde, ou bien l'objectivation d'un syndrome de Fitzhugh-Curtis, c'est-à-dire des adhérences péri-hépato-pariétales donc, et hépato-diaphragmatiques en corde de violon. Je vais vous montrer une image par la suite. Avec réalisation des prélèvements histologiques et bactériologiques, c'est-à-dire on va prendre des prélèvements de pus et des fausses membranes pour les envoyer à l'anapath et à la bactério à la recherche du germe en cause. Donc voilà, vous voyez ici qu'il y a une congestion des trompes. Regardez cette trompe, elle est peu tuméfiée. Regardez cette trompe, comment elle est congestionnée et comment elle est adhérée à l'épiplan. Donc vous voyez ça, ce n'est pas normal. L'épiplan, il doit être plus haut situé. Il ne doit pas être au contact intime avec la trompe. Ici, il y a une adhérence tout le long de la trompe. On dit que l'épiplan, c'est le gardien de la cavité abdominopelvienne. Il va être attiré par tout processus inflammatoire. Il va aller combler pour protéger les autres organes. Voilà, ici en postérieur aussi, vous voyez l'épiplan, une adhérence très fine qui va relier l'utérus au rectum. Voilà le rectum en blanc. Donc voilà, lorsqu'on fait une petite ponction au niveau de la trompe, on a donc du pus. Et ici, au niveau du cul-de-sac de Douglas en postérieur, on a du pus. Donc pour l'anatomie, ça c'est la vessie, ça c'est le rectum, l'utérus et les trompes. Donc ça c'est l'antérieur, ça c'est le postérieur. Et voilà les adhérences péri-hépato-pariétales en corde de violon, le violon qui mêle Kemen. Donc voilà. On a vu ça plusieurs fois au cours de nos celluloscopies. Donc, la certitude, c'est la microbiologie. Donc, comment on va faire les prélèvements? On ne va pas faire tout le temps une celluloscopie, mais on peut faire un prélèvement vaginal parce que la majorité des cas, c'est une infection ascendante.
Donc, à l'examen direct, on trouve des leucocytes détruits. On peut tomber sur un germe type Trichomonas ou bien vaginose bactérienne. On peut faire un TAN, c'est un test d'amplification des acides nucléiques pour la recherche des germes spécifiques parce que la culture des germes spécifiques, elle est vraiment difficile, elle prend du temps. Donc, on fait des techniques de PCR, de biologie moléculaire pour rechercher les fragments d'ADN ou d'ARN de chlamydia, de gonocoque ou bien de mycoplasme. Deuxièmement, on peut faire un prélèvement endocervical. Donc, on fait une petite désinfection de l'exocolle après pose de spéculum. On introduit donc on introduit un écouvillon à l'intérieur du canal cervical et on fait des mouvements de va-et-vient et on recherche des germes anaérobies ou des germes aérobies. On peut encore faire une biopsie de l'endomètre. Il y a des outils pour faire des biopsies de l'endomètre. On utilise par exemple une petite canule qu'on appelle la canule de Cornier, donc la pipelle de Cornier. Et on peut faire une petite biopsie de l'endomètre à la recherche d'une endométrite. Les autres, on peut, si on a un DIU en place avec des signes d'infection génitale haute, on peut faire après l'ablation de DIU, on peut l'envoyer à la bactérie ou à la recherche du germe en cause. On peut faire des prélèvements chez le partenaire qui va nous donner indirectement le germe en cause parce que c'est plus accessible. Après, donc, après l'épisode infectieux aigu, on peut avoir des complications. Quelles sont les complications? Dans un premier temps, c'est les abcès pelviens, c'est-à-dire passage d'une infection génitale haute non compliquée à une infection génitale haute compliquée. Donc, une pelvipéritonite, un abcès ou bien rarement une thrombophlébite pelvienne, c'est-à-dire que l'infection va se propager vers les vaisseaux iliaques et on aura des thrombus infectés qui vont se répandre et peuvent être mortels. Les complications chroniques, les séquelles, donc soit passage à la chronicité et des réactivations aiguës possibles, c'est-à-dire le germe reste là, l'inflammation elle reste là, elle va entraîner des douleurs pelviennes chroniques pendant plus de 6 mois et la femme elle va souffrir de douleurs tout le temps et parfois c'est une réactivation aiguë sur un fond chronique, c'est-à-dire des douleurs qui deviennent plus aiguës, plus intenses. Et qui vont disparaître par la suite. Comment traiter les thrombophlébites pelviennes, s'il vous plaît? Les thrombophlébites pelviennes, donc c'est l'admission en unité de soins intensifs, c'est les antibiotiques à forte dose, à large spectre, par voie parentérale, et c'est les anticoagulants. Voilà. Pour éviter la septicémie et pour éviter l'embolie pulmonaire. Mais c'est mortel, donc dans la quasi-majorité des cas. Attendez, j'ai une question. Voilà. Après, on peut avoir des séquelles pelviennes, comme toute infection. Donc, l'infection, elle passe par le stade inflammation, puis suppuration, puis cicatrisation. Cette cicatrisation, elle peut être problématique en gynécologie. Lorsqu'elle concerne les trompes de façon intrinsèque ou extrinsèque, ça peut provoquer des lésions tubaires irréversibles avec risque d'hydrosalpinx, de pachysalpinx. Pachysalpinx, c'est un épaississement très très important des parois de la trompe. Ça peut être source de faux kystes péritonéaux qui peuvent prêter confusion avec des kystes de l'ovaire. Des adhérences qui vont être très douloureuses. Pourquoi les adhérences sont douloureuses? Imaginez un sigmoïde ou bien un rectum ou bien un côlon ascendant qui sont collés à la paroi utérine, c'est-à-dire qu'à chaque péristaltisme, la femme, elle va sentir une douleur. Et donc, c'est vraiment très gênant sur la vie quotidienne. Secondairement, on peut avoir des grossesses extra-utérines. Sinon, une stérilité tubaire, lorsque l'obstruction est vraiment complète, donc on peut tomber sur une. On est où? Attendez. On est où ici?
Voilà. Sinon, donc, une stérilité tubaire, c'est-à-dire une trompe carrément obstruée qui ne laisse pas passer les spermatozoïdes. Donc, la femme, elle va être infertile. Et comme on a dit que l'hystérosalpingographie, elle fait partie de l'examen de première intention devant une infertilité. Et donc, on va tomber sur des trompes obstruées sur la portion proximale ou bien sur la portion distale et des douleurs pelviennes chroniques, bien sûr. La dystrophie ovarienne macrokystique, elle est plus rare, mais elle peut se voir. Elle n'est pas d'origine hormonale, mais elle est d'origine séquelaire. Pourquoi on a des macrokystes? Donc, on a un ovaire qui va être réactionnel avec une paroi qui est épaisse, donc difficulté de l'ovulation. Et chaque follicule va rester sur place, il pourra pas ovuler. Et le follicule va rester pendant ce cycle, le cycle prochain, etc., pendant plusieurs cycles. Voilà, donc un syndrome adhérentiel pelvien. Vous voyez qu'on n'a plus une anatomie pelvienne normale. On a vraiment plusieurs organes adhérentiels avec du liquide partout. Et là, c'est très, très, très douloureux. Sur cette échographie, vous voyez que la paroi de la trompe, elle est vraiment très épaisse. Et c'est ça, c'est un pachysalpinx. Maintenant, comment on va prendre en charge cette femme? Il faut savoir, donc on va passer vraiment très rapidement sur la prise en charge. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc, je vais vous exposer en général les moyens et le protocole le plus utilisé. Donc, les moyens, c'est le traitement médical par antibiotiques. C'est une infection, c'est normal. Le traitement chirurgical, la celluloscopie, pas tout le temps, mais qui a ses indications. Et des mesures associées. Et on va voir ces indications. En cas d'IGH non compliqué et en cas d'IGH compliqué. L'antibiothérapie, il y a plusieurs protocoles, mais les plus utilisés, c'est le protocole ofloxacine 400 mg 2 fois jour, métronidazole 500 mg 2 fois jour et ceftriaxone pour la suspicion de gonococcie. C'est quoi l'ofloxacine? C'est un fluoroquinolone de nouvelle génération, commercialisé sous le nom d'Oflocet. C'est très très cher. Le flacon, il coûte 1 million. Le métronidazole, c'est le Flagyl, 500 mg 2 fois jour. On va voir la voie d'administration, la durée par la suite, les indications. Voilà les autres protocoles. On va en passer. Donc, quand est-ce qu'on fait une chirurgie? C'est lorsqu'on a absence d'apyrexie, donc après l'antibiothérapie. On a un risque de choc septique, on fait une celluloscopie. D'abord, l'exploration du pelvis. Après, si on a des adhérences, on fait une adhésiolyse, c'est-à-dire on va couper les adhérences. Si on a des abcès, on va les drainer, donc mise à plat des abcès. Si la collection, elle concerne la trompe, l'ovaire ou bien les deux, il n'y a pas de traitement, on peut pas mettre à plat, ça ne peut pas guérir, c'est irréversible. Et donc, on fait une salpingectomie, voire une annexectomie. La radiologie interventionnelle, on peut ponctionner des abcès un peu accessibles par ponction transvaginale, éco-guidée ou bien scano-guidée. Voilà une pièce opératoire d'une annexectomie, donc d'un abcès tubo-ovarien. Vous voyez la trompe qui est bousillée, il y a du pus à l'intérieur et il y a un abcès à l'intérieur de l'ovaire. Ça, c'est irréversible, on ne peut pas traiter, donc on va l'enlever. Quelles sont les mesures associées? Donc, on peut administrer en même temps que l'antibiotique les anti-inflammatoires pour réduire la douleur et l'inflammation, les antipyrétiques. On doit obligatoirement enlever un stérilet qui est en place. S'il y a une IST, on doit traiter le partenaire et on doit faire une sérologie complète des deux partenaires, donc IST. Surveillance, observance thérapeutique. Si cette patiente, elle va être traitée en ambulatoire, elle doit être observante. Les signes de tolérance, d'efficacité clinique et biologique du traitement. Maintenant, les indications. Si on a une salpingite ou bien une endométrite, antibiotiques par voie orale, donc le même schéma qu'on a déjà décrit, il va être pris par voie orale
en ambulatoire et pendant 14 jours, c'est-à-dire au flocette par voie orale, flagyle par voie orale, chez la patiente chez elle, et on fait une surveillance après 14 jours, surveillance à distance. Et elle va consulter pour un contrôle après 14 jours avec les mêmes mesures associées, anti-inflammatoires, antipyrétiques, etc. Si on a une persistance de fièvre plus de 48 heures, on fait une solio. Si notre IGRH elle est compliquée, c'est-à-dire qu'on a un abcès, soit dès le début ou bien complication d'une salpingite ou bien d'une endométrite, on va passer à l'hospitalisation. Le même protocole ou bien un protocole qu'on utilise beaucoup qui est ceftriaxone, doxycycline, métronidazole. Doxycycline, c'est la vibramycine. Donc par voie parentérale jusqu'à amélioration clinique, puis relais par voie orale. L'antibiothérapie, elle va être prolongée, non pas 14 jours, mais 21 jours, avec les mesures associées. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Plus, six signes de gravité, on va ajouter donc de l'argentamycine, un aminoside, et drainage percutané pour les abcès tubo-ovariens, ou bien traitement chirurgical pour les pelvipéritonites. Donc, forme simple, salpingite ou bien endométrite, traitement antibiotique par voie orale ambulatoire 14 jours et surveillance. Solio, sauf, pas de solio, sauf si persistance de la fièvre plus de 48 heures. Forme compliquée, passage à l'hospitalisation, passage à la voie parentérale et passage à une durée de 21 jours avec gentamicine, 6 signes de sepsis, avec drainage des abcès, que ce soit par radiologie interventionnelle, donc par voie percutanée ou bien par soliochirurgie. En conclusion, les infections génitales hautes sont souvent asymptomatiques, diagnostic difficile, et le traitement doit être empirique au moindre doute, c'est-à-dire qu'on doit commencer quel que soit le traitement pour éviter les séquelles. Recherche des facteurs de risque, donc une femme à risque, elle va être plus surveillée et plus traitée par excès qu'une femme normale. Les cervicites, c'est la porte d'entrée des IGH, donc on doit toujours les chercher et les traiter. L'infection génitale haute, donc risque de séquelles pelviennes et donc d'infertilité, de douleur et de grossesse extra-utérine. Et voilà, il nous reste 2 minutes. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on ouvre une autre visioconférence pour répondre, sinon, si vous êtes fatigué, vous pouvez poser vos questions sur le groupe. Et de toute façon, pour les restes qui n'ont pas assisté, je vais faire un résumé sur les deux cours en vidéo et je vais les poster sur le groupe. Voilà. Donc, quels sont les modèles de surveillance après le traitement antibiotique? Bien sûr, il y a la première surveillance, c'est la surveillance clinique. Si on avait une fièvre à 40 et que maintenant elle est à 38 puis à 37, quand on a une douleur, quand elle cède, c'est bien. Si on a, par exemple, une CRP qui était à 2 chiffres ou à 3 chiffres et qui est en baisse, si on a à la palpation un abdomen qui devient souple et peu sensible, ce sont des signes positifs. Si on a une aggravation de la fièvre, aggravation de la douleur, donc on a une évolution défavorable. Donc la surveillance, elle est clinique biologique et parfois radiologique. Voilà, merci pour votre attention et bon courage.